Et en Europe, cette question, la Grèce sera-t-elle exclue de l'espace Schengen? Bruxelles tape du poing sur la table. Le pays principal porte d'entrée des migrants n'en fait pas assez pour protéger ses frontières. Shirley Le Pen. La Grèce est menacée d'exclusion de l'espace Schengen. En cause, le manque de moyens déployés pour freiner l'afflux de migrants sur son territoire, d'où ils se dirigent ensuite vers l'Europe de l'Est. L'espace de libre circulation européen est mis à mal par la crise des réfugiés et la sécurisation des frontières est aujourd'hui une priorité pour l'Union européenne. Dans son dernier rapport, la Commission européenne accuse le gouvernement Tsipras de laxisme et d'un contrôle aux frontières inexistant. La Commission est arrivée à la conclusion que la Grèce a sérieusement négligé ses obligations et qu'il y a de sérieuses déficiences dans la protection de ses frontières extérieures. Et cela doit être pris en charge et traité par les autorités grecques. En 2015, plus de 850 000 migrants sont arrivés par la Grèce avant de se disperser dans d'autres pays européens. Et les premiers chiffres de l'année 2016 inquiètent Bruxelles. Depuis le début du mois de janvier, plus de 30 000 réfugiés ont atteint la Grèce par la mer, soit 20 fois plus qu'en janvier 2015. Si dans 3 mois, la Grèce ne prend pas de mesures significatives et que la Commission européenne confirme les carences de la gestion des frontières par Athènes, elle déclenchera un plan d'exclusion de l'espace Schengen. Le Premier ministre, Alexis Tsipras, se défend de toute négligence et critique l'absence d'aide européenne pour un problème qui les concerne tous, et ce alors que son pays est toujours plongé dans une grave crise financière. Et puis à noter dans ce contexte que la Suède prévoit quant à elle d'expulser tout simplement 80 000 migrants arrivés sur son sol en 2015. Leur demande d'asile a tout simplement été rejetée. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Intérieur du pays.